salut à tous. Salut. C'est Alex et Saran. Ouais. Et on se retrouve pour quoi? Duel d'ouverture de trucs que je connais pas. Magic the Gathering. C'est la nouvelle extension, ouais. Donc la dernière sortie en date, il y a pas si longtemps que ça. C'est un pack de construction. Petite question, du coup, c'est en français ou en anglais? Malheureusement, on les trouve qu'en anglais. Eh ben c'est cool, mec. C'est parti. Eh ben tu l'ouvres. En fait, c'est toi qui vas me dire si j'ai des trucs de ouf. Il y a pas de trucs genre 1, 2, 3, 2 à faire. Non. On les met à l'envers, à l'endroit et on. Fait ouais, c'est ça. Il y a pas besoin. Ok. Moi, ça me plaît d'ouvrir du Magic avec toi parce que déjà ça me plaît d'ouvrir un truc avec toi. Voilà, ça fait longtemps. Les illustrations, ça a vraiment changé de Pokémon, ça fait plaisir. On va dire c'est plus mature dans le sens, il y a plus de trucs glauques que et Pokémon. Et gore et tout. Et exactement. Cool. La boîte. Ah, avec un peu dedans, j'entends. Regardez le petit bouquin avec quelques illustrations de cartes. Ils expliquent comment construire un deck. La boîte est vachement cool. Elle est en papier gaufré, tu vois. Ouais. Et en plus, ça fait une boîte de rangement. Bah ouais. Il y a une diagonale, elle est super jolie, quoi, tu vois. Je sais pas. Elle est sympa. J'aime bien. Et il y a un truc que fait tout le temps Magic avec leur pack de construction, c'est qu'on a le droit après un petit truc en que tu mets au mur. Ouais, voilà. En désossant le fourreau, on va dire, enfin en le dépliant. La révolte héritique, donc Aether Revolt. Ok. Alors ouverture de la boîte. Fin oh. Donc là, on a les boosters. Là, les terrains. Donc, ok. Les terrains qu'ils offrent pour construire les decks, donc ça sert strictement à rien, il n'y a pas de truc spécifique. Ça, c'est le truc pour faire son deck. Ils expliquent les coups de mana, tout ça. D'accord. Les couleurs. Et il y a les cartes. Il y a un petit dé. Des 20, ok. En fait, le logo, ça représente le 20. Et du coup, il y a, t'as raison. 10 boosters. Okay. Mais du coup, il n'y a plus des anciennes extensions, alors qu'il me semblait qu'avant, ils en mettaient au moins un. Ah, c'est que de la nouvelle là? Ouais. Voilà, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas ton personnage préféré, lui? Si. Ah putain, et tu vois que je suis... Je l'ai eu en fait. Comment il s'appelle, d'ailleurs? Adjani. Adjani, le personnage préféré de Alex. Tézéret. Ça, je ne connais pas, c'est un nouveau personnage. Alors moi, du coup, bah, je vais finir par ton personnage préféré, par Tézéret et Micheline, parce qu'elle s'appelle comme ça, selon moi. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? J'ouvre et c'est tout. Je suis carrément déboussolé, je te le dis. Hein. J'ai l'impression d'ouvrir des boosters Yu-Gi-Oh! Ça, c'est une vraie carte? Non. Non. Ça, c'est un token énergie, donc c'est token énergie. Bon, et bah, y a pas de 1, 3, 2, je retourne et j'y vais. Talent Drake. Ils sont très compliqués. Conviction. Tu me dis si j'ai une bonne carte. Giraspur, Osprey, un truc comme ça. Tech Into Custody. Lifecraft, Cavalry. Nightmarker, Aeronaut. Ice Over. Emplacement of Combustion. Vertum, Automaton. Augmenting, Automaton. Ironclad, Revolutionary. Revolutionary. Excusez-moi, je ne. Maverick, Top. Voilà. Orange and Giant. Alors là, on est dans la rare de l'or, du coup. Yanninis, Expertise. Les noms, je les écorche, c'est trop cool. Et c'est de la merde. Fibre de Moret. Je vais donner les noms que je veux aux gens. Donc là, on a l'Albinos. L'Acrobat. Ok. Le mec de Soul Calibur avec ses griffes. Le mec de Soul Calibur avec ses griffes, dont je sais pas le nom non plus. Bouffage Bestial. Un Minimoy. Brawler. Très bien, très bien. Le mec qui nous éclaire. Lanterne. Qui nous tient une lanterne. Elle est belle, j'aime bien la lumière. Une belle lanterne. Inventeur. Un bastion inventeur. Donc ok, inventeur, non, mais non, menteur du bastion. Le mec qui prépare de la drogue. Renegade Trailleur, donc un mec qui a un cheval et il est cool. Donc là, on a le champion, une montgolfière. Ah, la rare. Donc c'est pas une mythique. Et encore un plane. Un land. Plane, un plane, c'est un planeswalker généralement. Donc, d'accord, c'est, donc un land. C'est une carte. Voilà. Donc swamp. Un cerveau, c'est bien. C'est un token, oui. Live in the Dust, c'est une chanson de Queen. Là, c'est un mec qui tue des araignées. Là, c'est un mec qui est content parce que franchement, c'est la frontière des rebelles, donc il est content. Allez, l'étranger. Oh, on a l'homme chat. Ah non, le singe chat. Daring Demolition, elle est super belle. Très belle couleur. Encore un mec avec une araignée. Un dragon, Game of Thrones, mon gars. Un Ent dans Le Seigneur des Anneaux. Tortank, un mec qui a démoli un peu tout. Un mec dans Mass Effect, je sais plus son nom, mais j'aimais bien. Une rare, solemne, recru. Oh, c'est bien? Non, c'est de la merde. Et encore un land. Il y avait un pack, je trouvais ça stylé en anglais, le nom du Plains là en anglais sur un pack. C'est pas le même que dans les packs que dans les boosters. Tézéret. Agent of Metal, un truc dans le genre. Ouais. Donc, je trouvais ça un peu stylé, quoi. Metal, tout ça. J'ai eu. Ah, le tank. Un véhicule. Ah, on m'appelle. Bon, on continue, on s'en fout. La fonderie. Negate. Ça, c'est une réédition d'une carte très utilisée. D'accord. Tous les decks bleus. La garnison mobile. Non, garrison mobile. Mmh. Restauration spécialiste. Donc un mec qui est spécialisé dans la restauration. Hein. C'est un mec hyper important. Il fait super bien la cuisine. C'est ça. Alors, ça aussi, je crois, il me semble que c'est une réédition. Un mec qui est pas content. Et du coup, il store le... J'ai une simple rare, Merchant's Dock Hand. Alors, et un land. Elle est jolie. Très belle île, ouais. Super île. Super belle île. Et du coup, je vais ouvrir ton booster préféré avec Lionceau, il s'appelle. Isabelle Adjani, c'est ça? Ouais. Un token qu'on n'a pas eu, tiens, Gremlin. On l'a déjà eu, c'est l'Albinos. Ah, Resourceful Return. Ah, un trésor. On l'a déjà eu. Est-ce que ça annonce une bonne chose? Je pense que ça annonce qu'on a une mythique.
le seul vent. Ah, c'est celle qu'on a vu en holo tout à l'heure. En foil, pardon. Oh, ça veut dire la même chose en français, en fait. Holographique. Ah, automaton, wilder. Ah, une panthère. Un léopard, pardon. Ah, ça, c'est la meuf de l'illustration, du coup, du projet booster. Révolutionnaire. Reverse engineer. Et Lesbrard, Lifecracker Bestiary. Et du coup, c'est Swamp qu'on a déjà eu. Bon, tu prends ma place? Exactement. Allez-y. Hey! Maintenant qu'on a fait ce petit changement. Le changement, c'est maintenant. Voilà. Metallic Rebuke qu'on a déjà eu. Audacious Infiltrator, Frontière Rebelle. L'homme singe, le chassin. Le chassin qu'on a déjà eu. On l'a déjà eu, mais elle est très belle. On l'a pas eu. Je sais pas. Natural Obsolescence. Allez. Petit artefact. On l'a eu. C'est lent. Augmenting Automaton. On augmente les automatons. Ether Inspector, très joli. Un véhicule. Daredevil Dragster. Life Raid Awakening. C'est super joli. Ouais. C'est un elfe à moitié. C'est ça, c'est un elfe. Spy a Patrol. Quatre hélices dans le dos, tranquille. C'est un enchantement, très joli. Ouais, voilà, joli. Et une île. Va-t-on au moins avoir une mythique? Dispersal Technician. Oh, elle est très belle. C'est OO version un petit peu couleur inversée. Mais... Oui, version pas la même couleur en fait, c'est très bizarre. Il est shiny. Il est shiny, c'est un OO shiny. Embrail Gear Smasher. On l'a déjà eu. On l'a déjà eu celle-là. Ah, peut-être pas. Non, mais il y a tellement d'araignées, je sais plus moi. Ah, putain, le Saint-Chat. Simplement, au fait que j'ai une, le réservoir qui marche. C'est ça en plus. Mais oui, oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. Destructive Tempering. Les tampons qui détruisent. C'est un mille pattes électronique. Bionique. Bionique. Ah oui, c'est le tortank. Enfin, c'est plus un crabe. Hein. Ce serait plus ouais, un mais il était dans vénère. Acrabos, ouais. Ou Crustabri en mode nul. Oh, Philidor Guardian. Il y a beaucoup de trucs genre 4 beasts, 4 machins, 4 singes. Ouais. C'est bizarre. Ils aiment bien les chats. Barricade Break. Ouais, ils pètent les barricades. Il ouais, voilà. Expertive de Richka. De Richard. Et un plane. Une plane. Ouais, c'est normal. Et le token, c'est quoi? Et le token. Ah, mais c'était un autre cerveau. Un cerveau. Yeah. On l'a déjà eu. Bah oui. Les deux mêmes cartes de filet. Oh oh. What? Ce reste qui pète les roues. Ah. Wakeful Return qu'on a déjà eu. On l'a déjà eu, il me semble. Oui. Ça, oui. Ça aussi, mais bon Dieu. Ça aussi, on l'a eu en foil en plus. Ah, Mobile Garnison, on l'a eu. Et ça aussi. On l'a eu. Wellfall Engineer. Winkin Raider. Bah, là, ça va être là. Oh, une mythique. Est-ce qu'elle est bien? Je ne sais pas. Une plaine. Ah, une plaine. Et le token. Bastion Enforcé. Oh, on l'a pas eu, lui. Non. Choc. On l'a pas eu. Languille, on l'a eu. Allez, Languille. L'albinos, le fameux. Oh, on l'a déjà eu. On l'a eu, putain. Oh, on l'a eu, c'est une longue vue, ça. Et oh, le réservoir qui marche. Et le tampon qui détruit tout. Et le mille pattes. Le match du trophée. Top Terre. Top Terrariste. Consulate. Dreadnought. Les dreads du consul. Voilà. SRAM Expertise. Ils aiment bien les expertises, là. Ah, c'était rare. Ouais. Ah oui, d'accord, c'était rare, ok. Living Dust. Decommission. On l'a eu. On l'a eu, c'est le mini-mori. On l'a pas eu. On l'a pas eu. On l'a eu. On l'a eu. C'est ta longue vue. Ah. Oh, on l'a eu. Ah, on l'a eu, ok. On l'a pas eu celle-là. Renegade. Warrior. Scrapper Champion. Genre de British. Et une simple rare, mon dieu, mais c'est pas possible ça. Ouais, mais c'est une légendaire, il me semble qu'elle cote quand même pas mal. Ah. Ah ouais. Ah ouais, peut-être. Pour le trip, on va regarder combien ça cote. Vas-y. Et là, ça se trouve, ça cote à peine 2 euros. Elle coûte 10 centimes. Amkem, c'est le site pour tout côté. C'est super bien. Hope of Gear Rapper. Ah non, elle vaut 37 centimes. Donc c'est pas celle que je pensais. Ok, c'est de la merde. Ce n'est pas celle que je pensais, excusez-moi. C'est pas bon, bah ce fut une ouverture un petit peu décevante au niveau des cartes U, mais on s'est quand même bien amusé. J'aurais bien aimé trouver un Plains au moins pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon bah c'est pas grave, et bah on se retrouvera dans une autre ouverture un jour, dans autre chose, voilà. N'hésitez pas à aimer le Facebook et le Twitter, voilà, et puis voilà. On attend toujours des dons, mais on a jamais eu encore. On a toujours pas de dons parce qu'on veut acheter du Magic. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gens.